t'honorons, nous apprécions ta présence. C'est toi qui as dit que lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent. C'est parce que nous savons que tu es présent que nous prenons quelque temps pour t'apprécier, pour t'honorer. Seigneur Jésus, tu es présent par ton esprit. Abba Père, tu es présent par ton esprit. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous accordes ce soir encore la grâce d'être comptés parmi les vivants. Ce n'était pas un acquis, c'est une grâce de Dieu. Et nous sommes infiniment reconnaissants. Nous rendons gloire à Jésus, notre Seigneur, pour ton œuvre magnifiquement et triomphalement achevée pour nous. Nous t'honorons, Esprit de Jésus, Esprit du Père. Bienvenue au milieu de ton peuple. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs pendant ces quelques instants. S'il te plaît, ô Esprit de Dieu, du commencement jusqu'à la fin de cette histoire, que seul Jésus le Christ soit glorifié dans tous les temps, dans tous les siècles. À Jésus-Christ, seul soit la gloire, à la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit Amen à Dieu. Quelqu'un donne un Amen à Dieu. Venez vous asseoir dans sa présence. Alors oui, permettez-moi d'abord bien, merci de Bishop. Bon, je ne me sens pas étranger ici, hein. Donc il faut vous calmer. Je ne suis pas un inconnu. C'est le pasteur Ivan qui me représente fidèlement et dignement à chaque fois qu'il vient à Abidjan. Donc je dis toujours que non, si vous en priez, c'est bon. Comme le PP, le pasteur Yvon vient, je n'ai pas besoin de venir puisqu'il vient déjà. À chaque fois, je dis au pasteur, moi je viens faire quoi? Yvon est déjà là, c'est suffit. Donc il y en a qui sont venus ce soir juste pour, par curiosité. Repentez-vous, Dieu vous voit. Voilà. Je suis content d'être là. Je suis chez notre frère, chez le Triplet. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Je voudrais juste parler un peu comme il a dit. Dieu, vous savez, je ne me déplace pas beaucoup. Vraiment, je voudrais bien, mais je ne peux pas. Et j'ai parlé avec, pendant il y a quelques mois avec le pasteur Mohamed et en parlé du fardeau que Dieu avait mis sur son cœur et puis sur le mien. Et puis Dieu m'a parlé par plusieurs, d'abord par moi-même, puis il a parlé par plusieurs personnes sur l'importance que cette semaine, que cette retraite que je suis venu faire à Abidjan avait. Donc je ne suis pas venu pour me promener, je suis vraiment venu pour une retraite spéciale. C'est un temps de rencontre avec Dieu. Pour beaucoup, pour ceux qui vont être là pendant cette retraite, c'est vraiment un temps de, j'ai pas envie de dire de visitation, hein, mais de formation et puis d'équipement par la grâce de Dieu. Il y a des choses que Dieu fait avec certaines personnes. Vous savez, Dieu est un Dieu, il ne fait pas les mêmes choses avec tout le monde. Il y a des gens sur qui Dieu met des grâces en toute humilité et puis ces grâces la parlent. Et voilà, il y a des grâces que Dieu veut communiquer à plusieurs bien-aimés, mais je ne dirai pas tout ce que Dieu a dit, ce qu'il veut faire ici. Mais sachez une chose, c'est que Dieu a un projet pour l'église vase d'honneur, ici en Côte d'Ivoire et dans le monde. Quelqu'un dit Amen. Et voilà, nous venons humblement contribuer afin que les projets que Dieu a préparés pour certains d'entre vous s'accomplissent. C'est pour ça que je suis là. C'est vraiment pour cette retraite. Elle va être assez spéciale, elle va être dense. Vous allez souffrir certainement. Mais il y a une grande gloire, une grande grâce qui va sortir. Mais pour ce soir, je voudrais vraiment parler un peu, comme a dit l'apôtre de la maison, avec mon cœur. Il n'y a pas beaucoup de temps. Puisqu'on est dans le thème de béni pour conquérir, puisqu'on parle de la conquête, et puisqu'on est dans le mois de la Pâque. Quelqu'un dit le mois de la Pâque? Donc c'est le nouveau mois de l'année. Je voudrais vraiment parler. Dieu m'a fait cette grâce-là de vraiment beaucoup méditer, beaucoup comprendre le mystère de la Pâque. Il y a beaucoup à dire sur la Pâque. Il y a plusieurs angles à observer. Et puisqu'on parle de conquérir, dites avec moi conquérir. Est-ce qu'il y a des conquérants ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aspirent à conquérir? Bon, déjà, je dois nous dire entre nous que tu ne peux pas conquérir là où Jésus n'a pas conquis à ta place. On ne peut conquérir que dans le domaine où Jésus a déjà conquis. Personne ne peut aller conquérir un territoire ou personne ne peut aller conquérir un domaine que Jésus le Christ n'a pas conquis, ce n'est pas possible. Nous marchons dans sa victoire, nous sommes appelés à vivre dans sa victoire. Nous sommes appelés à manifester son règne, à manifester sa domination, son triomphe sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Et quand on regarde l'histoire de Christ, quand on regarde le but même pour lequel notre Seigneur est venu sur la terre,
on se rend compte que Jésus n'a pas fait les choses par hasard. Il était mandaté par le Père, il avait une mission, il savait exactement ce qu'il était en train de faire. Il était venu pour la conquête. On a déjà vu plusieurs fois, votre pasteur en a bien parlé, l'ennemi a envahi le monde entier, a conquis le monde entier en établissant ses agents, en établissant les agents du diable dans les sept montagnes. Quelqu'un dit amen. Ils ont conquis les sept montagnes et pendant ce temps, l'église était en train de dormir. L'église était en retrait, l'église a laissé l'ennemi conquérir les sept montagnes. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Dieu a créé les cieux et la terre. Vous le savez très bien, il a donné la terre aux êtres humains. Maintenant, Adam a donné les clés à Satan. Et Satan a conquis le monde. Il a vraiment conquis le monde. Il a conquis toutes les sphères d'activité, c'est vrai. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. La volonté parfaite de Dieu, c'est que Dieu vient conquérir la terre, conquérir le monde, conquérir les sept montagnes, conquérir tout ce qui respire, conquérir tous les territoires. C'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Et ça se fera. Mais Dieu, pour le faire, il le fait de deux manières. Un, il envoie son fils. Deux, il envoie après l'église. Est-ce qu'il y a l'église ici? Est-ce qu'il y a des justes de Dieu ici? Donc, mon frère, ma soeur, Dieu nous a appelés. Ça fait toujours trembler les gens en face parce qu'ils ne comprennent pas, vous voulez dire quoi? Non, Dieu nous a appelés, Dieu appelle son église à conquérir le monde. Et tu me suis dit, amen. Or, pour conquérir, ça veut dire qu'il faut engager la guerre. Conquérir veut dire engager la bataille. Aucune conquête ne se fait sans engager la guerre. Il n'y a personne qui va aller conquérir s'il n'a pas une mentalité de guerrier. On conquiert avec une mentalité de guerrier. Voilà pourquoi pendant la conférence Pâques, on a parlé de la mentalité de conquérant. Et vraiment, on ne peut conquérir que si on a la mentalité de conquérant. La première personne qui est venue du ciel avec la mentalité de conquérant s'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Quelqu'un dit amen. Il est venu pour restaurer l'ordre que Dieu avait établi, dans lequel Satan avait mis la pagaille. Il est venu rétablir l'ordre établi par Dieu. Mais il est venu donc conquérir. Mais la vérité, c'est que quand Jésus vient, il vient du ciel. Il connaît le monde spirituel mieux que tout le monde. Il connaît le Père, il connaît le ciel, il connaît l'univers. Dit amen. Et lui, quand il vient conquérir le monde, il ne vient pas avec des kalachnikovs, il ne vient pas avec des missiles, il ne vient pas avec des armes à feu, il ne vient pas avec des couteaux. Il vient conquérir le monde, s'il vous plaît. N'oublions jamais cela, on est dans le temps de la Pâque, il ne faut jamais oublier, il est venu pour conquérir. Et la stratégie pour lui de conquête, c'était s'offrir en sacrifice. Il a conquis par son sang. C'est par le sang précieux de Jésus-Christ qu'il est venu conquérir le monde des ténèbres. Personne ne va aller conquérir les sept montagnes sans engager les sept témoins. Le sang, la parole, la révélation de la parole et l'onction de l'esprit. Quelqu'un dit amen. Il y en a sept qui rendent témoignage. Sept arbres de la conquête, au moins, non plutôt trois. L'esprit, l'eau, le sang. Quand on parle de l'eau, on parle de l'eau de la parole. Mais le sang, beaucoup l'oublient. Beaucoup oublient que pour aller conquérir les différents domaines d'activité. Parce que là où on veut les conquérir, comme à l'époque d'Israël dans le désert, comme à l'époque d'Israël dans le trésor de Canaan, il y a des géants. Mon frère, ma soeur, il n'y a aucun territoire qui soit un territoire vierge. Ça n'existe pas. Aucun territoire n'est vierge. Ça n'existe pas. Même quand tu as acheté un terrain pour construire ta maison, pour construire ta parcelle, sache une chose, ce terrain-là avait déjà un propriétaire. Et toi, tu dois déloger le propriétaire pour bâtir ta maison. Tu veux aller conquérir une sphère d'activité, sache une chose, il y a déjà des occupants. Et les occupants là, ils sont avant toi et ils n'aiment pas qu'on vienne les déloger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc pour conquérir là, vraiment, ce n'est pas amusement. On conquiert, je veux parler brièvement aujourd'hui de la première bataille, la première conquête que Jésus a dû engager pour nous donner la victoire. Pour nous redonner l'autorité que nous avons perdue à Adam. Jésus a dû engager la guerre. Jésus a engagé la guerre. Dis avec moi, Jésus a engagé la guerre. Il a engagé la conquête pour restaurer l'autorité de Dieu sur la terre. Rétablir les justes sur la terre. Il a engagé la guerre. Il a engagé la conquête. Et la conquête, la première étape de sa conquête, quand on lit les Écritures, Jésus est venu conquérir en s'offrant au sacrifice. Son sang là, c'est le sang de la conquête. Son sang, c'est le sang du triomphe. Son sang, c'est le sang de la domination. Le sang précieux de Jésus, c'est le sang pour conquérir. Les forces des ténèbres, les puissances de méchanceté n'ont été destituées que par le sang précieux de Jésus-Christ. Lorsqu'il voulait soumettre Satan, lorsqu'il voulait défaire les liens ancestraux, lorsqu'il voulait briser les puissances ancestrales, il a donné son sang pour toi. Et son sang pour toi, c'est le prix qu'il a payé.
Et maintenant, quiconque veut engager la force contre toutes les puissances, familiales, les puissances des ténèbres qui viennent de la maison de ton Père, les puissances des ténèbres qui viennent des territoires où nous habitons, Jésus a engagé la force de son sang. Son sang, c'est la première arme. Son sang, c'est l'arme fatale. Il y a la parole, il y a l'esprit, mais il y a aussi le sang. Quelqu'un me dit amen. Et la première fois qu'il va conquérir, la première étape de son combat dans le... alors qu'il devait être crucifié, vous savez qu'il a dû verser son sang à combien de reprises? 7 fois. Et la première fois qu'il va verser son sang, je dis toujours, fais attention partout où Jésus a dû verser son sang. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens 1, verset 7, que en Christ, par son sang précieux versé, nous avons la délivrance, nous avons la libération, nous avons la totale liberté. Par son sang, mon frère, le sang de Jésus, c'est le sang divin. Jésus n'a pas versé son sang pour que tu sois un bon mari, une bonne femme, c'est faux. Jésus a versé son sang pour que tu sois pleinement Dieu sur la terre, que tu occupes tous les territoires pour lesquels il t'a envoyé. Jésus n'a pas versé son sang pour qu'on soit des bons chrétiens. Mon frère, ma soeur, le sang du Christ, c'est le sang divin, d'une nature divine. Quelqu'un me dit amen. Donc la première fois que Jésus va verser son sang, nous le savons, c'est dans le jardin de Gethsémané. Et pourquoi il vient verser le sang dans le jardin de Gethsémané? Parce qu'il y a un territoire à conquérir, il y a un domaine à conquérir. Le premier domaine que Jésus doit conquérir, c'est le domaine de la volonté de Dieu. Le domaine de la volonté de Dieu pour la vie de tout homme. Le domaine de la volonté de Dieu. Puisqu'on est dans l'année de la conquête, tu peux être guéri d'une maladie, mais ne jamais accomplir ce pour quoi tu as été appelé. Tu peux avoir un bon mariage, mais ne jamais accomplir ce pour quoi tu as été appelé. L'œil a été appelé à voir, la bouche à parler, l'oreille à entendre, le téléphone pour parler. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi, tu es certain de savoir ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre? Quel est le plan que Dieu avait lorsqu'il m'a créé? Est-ce qu'on peut continuer? C'est juste une exhortation, hein? Je partage avec vous la pensée de mon cœur. Hein? Toi qui m'écoutes, tu es là pourquoi? Nous sommes à vase d'honneur, gloire à Dieu. Je suis de ICC, gloire à Dieu. Je suis de Intel Église, gloire à Dieu. Mais tu existes pourquoi? Pourquoi tu es sur la terre? Là où on parle entre nous, là, tu fais quoi? On va chanter, danser, gloire à Dieu. Mais tu es là pourquoi? Est-ce que tu sais le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre? Il a parlé à Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1, il a dit à un jeune homme qu'on appelle Jérémie: Jérémie, tu as quel âge? En moyenne, peut-être 3 et 13, 14, 15 ans, c'est un adolescent. Il lui a dit: Jérémie, sache une chose, moi je t'appelle à mon service. Jérémie dit: je suis un enfant. Il dit: ne dis pas je suis un enfant. Dans Jérémie 1, verset 5, il lui dit: écoute-moi, jeune homme, avant que tu ne fusses formé, pendant que tu étais encore dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. J'avais un projet pour toi, j'avais un plan pour toi. Moi je t'avais appelé, moi le Dieu vivant, je t'avais établi prophète des nations. Avant même que toi-même tu ne saches pourquoi tu vis, j'avais un projet pour toi. Jérémie, tu n'es pas été appelé à vivre comme un jeune homme ordinaire. Un chrétien ne peut pas être quelqu'un d'ordinaire. Je refuse cela. On ne peut pas être justifié, on ne peut pas être un juste de Dieu et puis être ordinaire. Ça veut dire, c'est même incompatible. Ça n'a aucun sens. Quelle que soit ma place, mon rang, ma position, je suis appelé à conquérir et à laisser un impact là où je vais aller. Il n'y a pas un endroit où tu vas mettre un juste, logiquement, dans la pensée de Dieu, sans qu'il établisse la domination de Christ, sans qu'il impacte le milieu, sans qu'il ne brille. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut parler? Jérémie, tu es un jeune homme, mais moi, avant que tu ne sois né, j'avais déjà un projet pour toi. Dans le monde de l'esprit, il faut comprendre, ce que Dieu dit à un, il a dit à l'autre. Dieu ne fait exception de personne. Si Dieu connaissait Jérémie, ça veut dire que Dieu te connaissait aussi. Si Dieu avait préparé quelque chose pour Jérémie, donc toi aussi Dieu t'avait préparé. Lui c'était prophète. Mais toi c'est quoi? Toi c'est quoi? L'ennemi attaque les croyants. Il attaque la race humaine. Il attaque les êtres humains avec toutes sortes d'attaques. Il envoie toutes sortes de séductions, de distractions. Il attaque tes relations pour t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour toi. La plupart d'entre nous, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour nous.
Et comme nous ne la connaissons pas d'ailleurs, nous passons beaucoup de temps à nous quereller, à nous comparer les uns les autres. Quand déjà tu vois que quelqu'un est jaloux de son frère, il ne sait pas pourquoi il est là. Il essaie d'exister. Non, quand on connaît la volonté de Dieu pour sa vie, on ne se bat plus avec les autres. On se bat pour l'accomplir. On se bat pour accomplir ce que Dieu nous a révélé. On ne se bat pas pour exister. Moi, ma place, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Mais avant de l'accomplir, il faut que je la découvre. Et pour la découvrir, c'est ça le premier enjeu. La découvrir, enjeu numéro 2, l'accomplir. Est-ce qu'on peut continuer? Et comme Satan a attaqué l'humanité, il t'attaque par tes relations. Il t'attaque pour te détourner de la volonté de Dieu. Il te donne les mauvaises relations. Donc voilà pourquoi il faut toujours faire attention aux relations, nous le savons tous. Il attaque par les choix que tu fais, par les décisions que tu prends. Il attaque par les attitudes. Il attaque par les expériences. Beaucoup d'entre nous sont restés dans les expériences de blessures, d'amertume, de jalousie, d'aigreur, de comparaison. Ces choses-là, j'étais en train de marcher tout droit dans le chemin que Dieu a préparé pour moi. Et il s'est passé un événement, je me sépare de quelqu'un, alors que cette personne correspondait au dessein de Dieu pour ma vie. La volonté de Dieu, il y a tellement à dire dessus. C'est la chose la plus capitale dans l'univers, c'est la chose la plus capitale sur la terre, la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit la volonté de Dieu. C'est la chose la plus capitale. Et c'est la chose que Satan attaque en premier. Quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi, sache une chose, les desseins de Dieu seront attaqués. Les projets de Dieu seront combattus. Ce que Dieu va vouloir faire avec toi sera combattu par les ténèbres. Il va s'acharner. Il peut te laisser guérir d'une maladie, mais t'empêcher d'accomplir ce pour quoi tu as été appelé. T'empêcher de devenir ce que Dieu voulait que tu deviennes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il le fait avec beaucoup d'habileté, il le fait avec beaucoup de ruse. On a vu, frère, le peuple d'Israël sorti du désert. Ils aimaient Dieu, ils craignaient Dieu tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, au verset 5, ils n'ont pas pu, la plupart, obéir à Dieu. Ils n'ont pas plu à Dieu. Ils ont été sortis des ténèbres, mais ils n'ont pas pu accomplir ce que Dieu voulait qu'ils accomplissent. Quand on regarde Samson, il y a tellement d'histoires. La plupart des gens dans l'Ancien Testament n'ont pas été capables d'accomplir ce pourquoi Dieu les avait appelés. Est-ce qu'on peut continuer? Et je vous le dis, c'est triste, mais aujourd'hui encore, même dans l'Église, la plupart ont le même challenge. Un des critères, qui a fait que Dieu choisisse David, il a dit dans Actes chapitre 13, au verset, je crois, 22, il dit... J'ai trouvé David. Je cherchais quelqu'un pour paître mon troupeau en Israël. Il dit, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. Et la raison pour laquelle lui, je l'ai trouvé, c'est que moi, Dieu, je cherche en Côte d'Ivoire, je cherche dans le monde des hommes et des femmes qui vont être prêts à accomplir toutes mes volontés, qui vont se disposer à accomplir toutes mes volontés. Parce que ma volonté, dit Dieu, est la seule chose qui est plus importante dans l'univers. Et si tu ne me crois pas, je peux t'envoyer chez les 24 anciens, qu'on appelle encore les 24 vieillards, qui entourent le trône du plus grand monarque de l'univers, le trône du Dieu très haut qui est assis entre les chérubins. Il y a 24 vieillards, dont Apocalypse chapitre 4, verset 1, les 24 vieillards qui se prosternent devant le trône nuit et jour, qui jettent leur couronne devant le Dieu des dieux, qui jettent leur couronne devant celui qui tient le souffle de tout homme. La Bible dit que les 24 vieillards se prosternent devant Dieu et ils adorent Dieu. Aux 24 heures sur 24, les gars adorent Dieu. Mais ils disent à Dieu qu'ils adorent, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir louange, honneur et gloire. Mais la chose la plus importante, c'est qu'eux, ils révèlent aux mortels que nous sommes le but pour lequel toute chose a été créée. Il dit, c'est par ta volonté que, il dit, tu as créé toutes choses, les hommes, les choses, les objets, les matières premières, les minéraux, les végétaux, tout ce qui existe dans l'univers. Il dit, c'est par ta volonté que toute chose a été créée et c'est par ta volonté que toute chose existe. Tout ce qui se meut, tout ce qui respire existe pour la volonté de Dieu. D'autres versions disent existe pour ton plaisir. Pour son bon plaisir, il nous a créés. Il t'a créé pour son plaisir. Le diable sait. Et si tu veux faire le plaisir de Dieu, tu veux être agréable à les dieux, tu seras combattu. Tu seras combattu. Satan va te combattre. Il va utiliser toutes sortes de ruses pour t'empêcher de faire plaisir à Dieu, d'accomplir la parfaite volonté de Dieu. Il va t'en empêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 1,
Galates chapitre 1, verset 15, je crois. Il dit, après avoir vécu une vie mouvementée, après avoir tué quelques chrétiens, finalement Dieu le sauve, Dieu l'établit à son service. Mais Dieu va révéler à Paul. Paul va dire, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dans le sein maternel, dès qu'il m'avait mis à part dans le sein maternel, parce qu'il m'avait appelé pour que je sois à son service, pour que j'annonce son fils, Dieu révèle à Paul, Paul, tu as marché pendant longtemps, c'est vrai, tu as tué beaucoup, c'est vrai, mais j'avais un projet pour toi. Dès le ventre de ta mère, je t'avais appelé à annoncer mon fils Jésus le Christ, mais maintenant le temps est venu, rentre dans ton appel. Quelqu'un dit amen. Mais Paul découvre que finalement, il a vécu pendant tellement d'années, jusqu'au jour où les yeux se sont ouverts. Il dit, mais je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas appelé à être un croyant pour être un croyant. Mais Dieu a un plan pour moi. Mais Dieu a des projets pour moi. Mais je ne peux pas vivre comme tout le monde. Je dois découvrir ce que Dieu a pour moi. Et je dois l'accomplir. Un, le découvrir, c'est un combat. Deux, l'accomplir, c'est encore un autre combat. Un violent combat. Accomplir la volonté de Dieu, mais Satan dit jamais. Toute personne qui s'est résolue à accomplir les desseins de Dieu sera farouchement combattue. Déjà même marcher un peu avec Jésus là, mon frère, dans la sainteté, tu es combattu. Miséricorde. Marcher un peu dans l'intégrité, tu es combattu. Élevé en position de dignité, tu veux marcher dans l'intégrité avec, tu seras combattu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, quand ça concerne le fait d'accomplir toute la volonté de Dieu, tu seras davantage combattu. L'ennemi ne donne, il dort pas. Il veut combattre. Il ne veut pas que tu deviennes ce que Dieu a préparé pour toi. Voilà d'ailleurs pourquoi le plus important, ce n'est pas que tu sois marié. Qui est marié ici, mon frère? Est-ce qu'il y a des couples mariés? Gloire à Dieu. Mais la volonté, ce qui est important, ce n'est pas est-ce que tu es marié. Ce qui est important, c'est est-ce que ton mariage a été fait conformément à la volonté de Dieu. Ah non, sinon ce n'est pas la peine. Tout ce qui est fait en dehors de la volonté de Dieu, vu du ciel, n'existe pas. Tu ne sers pas les projets de Dieu, donc ça sert les tiens. Tout ce qui te sert à toi au ciel ne compte absolument pas. C'est du néant, c'est de la vanité. C'est sans impact, sans effet pour le Père. Le Père cherche des gens qui vont accomplir sa volonté. Le Père cherche des mortels par lesquels il va manifester ses desseins. Dieu cherche des hommes, des femmes sur la terre par lesquels il peut opérer. Dieu cherche des hommes et des femmes sur la terre par qui il peut accomplir ses projets. Satan a des projets sur tous les territoires. Dieu qui a créé le monde et tout ce qui existe a des projets sur tous les territoires. Qui va accomplir les projets de qui? Si tu ne te lèves pas pour accomplir le dessein de Dieu, Satan va continuer à accomplir ses propres projets, sa propre volonté. Il le fait déjà très très bien. Les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde les peuples. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour que la gloire de Dieu se lève sur toi. Il faut que quelqu'un se lève pour que Dieu passe par toi maintenant pour établir sa volonté. Si quelqu'un comprend, tu dis amen et je continue. Mon frère, on parle de cœur à cœur. Donc, il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, son œuvre. Nous avons été créés en Christ Jésus. L'instant où tu es en Christ Jésus, tu as été créé par Dieu. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres, c'est-à-dire les œuvres excellentes, pour les activités. Dis avec moi, activité. Dieu a préparé pour chaque juste, pour chacun des enfants nés dans le royaume. Dieu a préparé des activités. Dis avec moi, activité. Mais dis avec moi, activité. Des activités, des projets, des initiatives. Il y a des choses que tout homme a été créé. Et il dit des bonnes œuvres, c'est-à-dire des œuvres excellentes que Dieu a préparées. Dieu ne t'a pas créé pour que tu t'attendes dans la vie. C'est faux. Quand tu t'attends, ça veut dire que quelqu'un est en train de te pousser à tâtonner. Il y a comme un vent qui dit, mais pasteur, je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas ce que je dois accomplir. Je ne sais pas dans quoi je vais étudier. Je ne sais pas dans quoi je vais travailler. Je ne sais pas ce que je vais faire comme projet. Je ne sais pas. Tu es dans la période du tâtonnement. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Là, il y a comme un vent où tu es instable. Tu ne sais pas comment tu dois faire. Tu dois savoir. Il faut que ce vent s'arrête. Tu dis, silence, tais-toi. Je dois savoir. Est-ce qu'on peut continuer? Nous avons, remets-moi le verset s'il te plaît. Nous avons été créés en Christ. Donc je vis en Christ pour des bonnes œuvres. Mais ce n'est pas à moi de les inventer.
maisons étaient créées pour que moi je les découvre et que je marche dedans. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Donc la première étape de ta vie, découvrir. Dis avec moi, découvrir. Quelles sont les activités? Quelles sont ces choses que le Père veut que j'accomplisse? Chacun d'entre nous, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des mortels. Mon œil existe pour un but. Mes mains pour un but. Mes pieds pour un but. Mon cœur pour un but. Les reins pour un but. Les orteils pour un but. Donc si nous sommes tous là, ça veut dire que Dieu, pour chacun d'entre nous, imaginez une église, pasteur, où tout le monde connaît sa place. Tout le monde est en train de faire ce pourquoi papa m'a appelé. J'ai découvert ma place. J'ai découvert mon couloir. J'ai découvert mon territoire. J'ai découvert ma vocation. Je croyais avoir étudié dans le droit, mais j'ai découvert que finalement, il ne m'a pas appelé pour le droit, il m'a appelé pour l'ingénierie. Il m'a appelé, par exemple, pour la communication. Et j'ai découvert. Imaginez une communauté où chacun est en train de fonctionner comme du poisson, comme un poisson dans l'eau, dans son couloir. Quelle grâce! Tant que c'est la volonté de Dieu que tu arrives à ce niveau où tu sais exactement quelle est ma place. Tu ne sais pas tout à propos de ce couloir, mais tu sais que this is the way, c'est le chemin. Marche, marche dans le chemin. Il y aura des obstacles, marche. Il y aura des épreuves, marche. Je suis dans le couloir de la volonté de Dieu pour ma vie. Attaquez-moi, mais tant que Satan n'arrive pas à te faire dévier de la volonté de Dieu, marche. Quiconque est en train de marcher sur le chemin des desseins de Dieu, même quand tu fais des erreurs, même quand tu trébuches, tu te relèves, je te dis que personne ne peut t'ébranler. Le diable sait. Voilà pourquoi Satan déploie beaucoup d'efforts pour t'empêcher de continuer à marcher tout droit sur le chemin de la volonté de Dieu. Et c'est parce que Dieu le savait, c'est parce que Dieu le voyait, que Dieu voyait que les hommes tâtonnaient trop, les hommes ont trop souffert depuis le commencement des temps, depuis Adam qui a trahi tout le monde. Lui, il a chuté même au commencement, dans le jardin. Il a tout foiré. Et les hommes n'arrivent pas à accomplir les parfaits projets de Dieu pour leur vie. Ils n'arrivent même pas à les découvrir, ils n'arrivent même pas à les accomplir. Qu'est-ce qu'on va faire? Le ciel regarde. Ah, mais regarde même, à part les gens comme les David, dont il est écrit qu'ils ont accompli les desseins de Dieu pour leur génération. Mais regardez Salomon, le gars a bien commencé, un homme intelligent, un homme qui aime Dieu, un homme qui craint Dieu, un homme qui est passionné à Dieu. Salomon, le gars a honoré Dieu grave, il a fait des offrandes à Dieu merveilleuses. Salomon, mais regarde la vie de Salomon. Il a commencé avec Dieu. Et puis il a marché avec Dieu, il a bien commencé, et puis des choses sont arrivées, des relations sont arrivées, il a pris des décisions, il a eu des fréquentations, des choses qui l'ont éloigné de la volonté de Dieu. Le gars est fini avec 1000 femmes, Dieu lui parle en songe, il n'écoute plus, son cœur est entêté. Salomon, un homme comme Salomon, toi tu penserais que quand on a la sagesse de Salomon, on va accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'a rien à voir avec tes dons spirituels, rien à voir avec tes compétences, rien avec ton diplôme, rien à voir. La volonté de Dieu a à voir avec ton cœur. Rien à voir avec je suis intelligent, je suis ingénieur, je suis DG. On s'en fout, mais complètement. La volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Salomon a échoué. Samson est né, puissant Samson, lui aussi il a échoué. La volonté de Dieu, frère, c'est la chose que Satan attaque. C'est pas toi qui as dit que le mal, que Satan est rusé, c'est Dieu. Jésus a dit qu'il est rusé. Si Dieu dit que quelqu'un est rusé, mon frère, c'est pas toi qui as dit. Dieu lui-même dit les ruses, les manœuvres, la séduction, la manipulation, la tromperie, le mensonge du diable. Frère, beaucoup sont tombés sans faire exprès. Tu aimes Dieu et tu tombes. Tu aimes Dieu. Je veux plaire à Dieu. Le nombre de fois que j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux faire ta volonté. Fais-moi grâce. Aide-moi. Au nom de Jésus. J'ai même chanté, Seigneur, voici mon cœur. Ah, qui veut faire ta volonté? Vraiment miséricorde. Frère, j'ai chanté le dimanche. J'ai dit à Dieu, fais-moi grâce. Le lundi, je veux faire mon affaire. J'ai tapé à côté. Je me rends compte que j'ai été séduit. Oh, mais j'avais pourtant prié.
C'est pour ça que je vais partager ça avec les frères pendant la retraite. Comment? Non, 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 il faut rester calme. On est ensemble. Parce que non, parce qu'il y a des choses qu'on ne partage pas à tout le monde. Non, 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 non. Non, même si tu es fâché, ce n'est pas grave. Dieu n'est pas fâché, donc on peut continuer. Quelqu'un dit amen pour moi, puis je continue. La colère de l'homme ne change pas le cœur de Dieu. Donc, il faut te calmer. Si tu l'as jeté la pierre, garde ta pierre. On va jeter ça après sur le pasteur Sanogo. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu. J'ai fait plusieurs bonnes décisions, bonnes intentions. J'ai tapé à côté. C'est là que Dieu a commencé à m'enseigner que le mystère de ma volonté, c'est un grand mystère. C'est un combat. C'est un combat. La Bible, on dit, la vie est un combat. Oui, un combat pour accomplir the will of God, la volonté de Dieu. Paul partait, il dit, Timothée, oh là là, Timothée, j'ai combattu le bon combat. Ah, ça a été dur. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mais Paul, de quel combat tu parles? Le combat que je devais mener, c'était le combat jusqu'au bout d'accomplir ce que le Père m'a appelé à accomplir et de ne pas m'en détourner. C'est facile de taper à côté. Donc le premier territoire, le premier domaine, mon frère, que tu dois, pas le premier, mais un des domaines les plus importants que tu dois conquérir, c'est celui d'accomplir la volonté de Dieu. Si tu es une guitare, tu dois jouer les sons de la guitare dans ta génération. Si tu es un tambour, tu dois jouer le son du tam-tam dans ta génération. Si tu as été appelé, quel que soit le domaine de ton appel, tu dois le découvrir. Et beaucoup ne l'ont pas découvert. Donc on vit des vies chrétiennes moyennes, normales. Mais Dieu n'est pas normal. Dieu est surnaturel. Je ne peux pas vivre une vie naturelle alors que mon Père, mon Dieu qui m'a créé, est un Dieu du surnaturel. Il y a incompatibilité. Quelqu'un dit amen. C'est parce que Dieu savait que le plus gros combat, je dis bien un combat, qu'on ne te dise pas le contraire, découvrir et conquérir la sphère de la volonté de Dieu pour ta vie, c'est ton premier combat. Comment je le sais? Mais c'est le premier combat que Jésus a dû mener. Chaque combat que Jésus a mené est un combat stratégique. Le premier combat, il vient dans le jardin de Gethsémané ce jour-là. Après avoir soupé avec ses disciples, après avoir pris son repas avec ses bien-aimés, il dit, ah, maintenant mon heure approche. Ah, oh, mon heure approche. Il alla dans le jardin qu'on appelle le jardin de Gethsémané. Et c'est là qu'il vient dans le jardin de Gethsémané. Il dit à ses trois amis, gars, les gars, aidez-moi, je sens que là mon heure approche. C'est mon heure, c'est mon moment. C'est pour cette heure que je suis né. C'est pour ce moment que j'ai été suscité. Je sais que j'ai fait beaucoup de miracles et de prodiges. Mais je suis venu pour conquérir le monde. Et ma conquête à moi passe par le sacrifice. Je dois m'offrir en sacrifice. Je dois donner mon sang. Donner mon sang. C'est mon sang qui va être la rançon sur laquelle tout croyant, tous les mortels, quand ils vont s'appuyer sur mon sang, Père, dans le nom de Jésus qui a versé son sang pour moi, accorde-moi la grâce d'accomplir ma volonté, ma destinée. Quiconque se confie en moi ne sera jamais dans la confusion. Mais pour ça, il doit payer le prix. Il arrive dans le jardin de Gethsémané. Et là, la Bible dit qu'il est dans l'angoisse. Et il commence à sentir tristesse. Oh, tristesse, angoisse, peur. Il dit à Pierre, Jacques et Jean, restez ici. Je vais m'éloigner pendant quelque temps pour prier. Mon frère, pour accomplir la volonté de Dieu, ce n'est pas avec les frères, ce n'est pas avec les sœurs, c'est moi avec mon Dieu. C'est une affaire personnelle. Je vous le dis, mon frère, c'est une affaire de corps à corps. C'est une affaire... Il y a des puissances qui te pousse hors du chemin. Il y a des forces à gauche, il y a des puissances démoniaques qui s'opposent à ce que toi, tu deviennes ce que Dieu veut que tu deviennes. Elles s'opposent à toi. D'abord, un, elles viennent de ta famille. Elles viennent de ta famille. Les puissances ancestrales. Dans cette famille-là, personne ne s'est élevé. Dans cette famille-là, personne n'a étudié. Dans cette famille-là, personne n'a réussi. Pourquoi toi, tu vas commencer? Nous, on est dans la famille depuis 300 ans. Nous sommes les gardiens de la famille. Personne ne doit s'en sortir. Jésus a dit, on va voir. C'est parce qu'ils pensaient à toi. Ils ont dit que toi, tu ne t'en sortiras pas. Que tu ne pourras pas faire de grandes choses. Tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Le Père a dit, fils, descends. Montre à ces principautés, à cette domination, que moi, Dieu, quand j'ai dit que tout va faire ma volonté, ils vont faire ma volonté, mais ils ont besoin de ton aide. Alors Jésus vient en Gethsémané, il pense à toi, il pense aux puissances territoriales. Il y a des territoires, tu rentres dedans, c'est comme si tu es exposé à des puissants courants d'air. Tu ne les sentais pas hier.
Il y a des positions. Quand on te nomme, frère, c'est comme si tout l'enfer se déchaîne contre toi. C'est des puissances du territoire. Elles ne veulent pas voir des gens, des justes. Ils vont nous subir. Je dis toujours, ils vont me subir. Je suis la lumière du monde. Laisse-moi rentrer dans un territoire sans faire d'efforts, je vais y dominer. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la pensée positive. Ce n'est pas la motivation. C'est la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit. C'est la réalité de Christ en moi qui parle. On ne s'amuse pas. Jésus s'est éloigné parce qu'il a compris que pour accomplir la volonté de Dieu, frère, ce n'est pas une question de j'aimerais. Faux! Il faut engager la prière. Il faut s'éloigner. On engage la prière. Sans prière, reste pour toi. C'est de la plaisanterie. C'est du cinéma, Bollywood, Nollywood. Dans la vie en Christ, il n'y a pas de Bollywood. Il y a Jésus le Christ qui est là, qui a payé son sang, payé sa vie pour que je sois capable d'accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quoi? Jésus s'éloigne. Le combat de la volonté de Dieu. Je veux devenir ce que Dieu m'appelait à devenir. Il a dit prophète, je vais devenir prophète. Il a dit femme d'impact, homme d'impact. Quel que soit le couloir, Père, révèle-moi le couloir et accorde-moi la force pour accomplir chaque jour ma destinée. Marcher. Et quand tu vas marcher, tu seras combattu. C'est parce que tu seras combattu qu'il faut te il faut se muscler spirituellement. Les gens faibles n'ont pas de place pour accomplir la volonté de Dieu. Seuls les forts, seuls les gens forts y arrivent. Frère, les gens aiment Jésus, ils craignent Jésus, ils louent Jésus, ils adorent Jésus, mais incapables d'accomplir la volonté de Dieu. Ils ne peuvent pas. Les puissances de la famille, les puissances du territoire sont trop fortes. Elles s'opposent à ce que Dieu veut faire. Est-ce qu'on peut continuer? Notre Seigneur Jésus-Christ était conscient de cela. En Gethsémané, tout ce que Jésus a fait là, mon frère, c'est ce qu'on est tous appelés à faire. La Bible dit, il s'est engagé. Il se retire seul pour prier. Ça, c'est la bonne attitude. Seul, dis avec moi seul. C'est pas où mon mari, ma femme, seul. C'est ce cacarade. Parce que quand j'ai remporté, je peux emmener ma femme. Mais il y a des combats qu'on ne mène que seul. Il y a des moments où il faut être seul. Jacob était seul. Il a laissé femme, enfant, nourrice, marade, oncle, tante, père, mère. Il a passé la nuit seul. Parce que Jacob aussi devait accomplir la volonté de Dieu. Il était Jacob. Mais Dieu voulait qu'il devienne Israël. C'est un combat de toute une nuit. Et kaka, rototo, shekata. Ah, je ne te laisserai pas partir. Ah, kaka, change ma vie. Change mon histoire. Transforme ma vie. Ah, ah, rekata, kaka. Oh, protoko, shakata. Change-moi. Je ne veux pas rester. Change-moi. Il y a un Israël en moi. Je suis Jacob, mais je veux être Israël. Le Israël, là, ne vient pas parce que tu as l'église. Il vient parce que tu engages la force de la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, il faut arrêter de dormir. Et c'est d'ailleurs à cause de cela que Satan a attaqué ta vie de prière. Pasteur, je n'arrive plus à prier. Oui, ça veut dire que Satan déjà t'a dévié. Mais Dieu veut te repositionner. Pakora di akaba. Est-ce qu'on peut... Ouh là là, miséricorde. Wow, l'heure est déjà avancée. Oh, quelqu'un me dit miséricorde. Ah, Jésus vient en Gethsémané. Une fois, il va prier. Il se prosterne à terre. Il entend de prier le Père. Il supplie Dieu. Père, si c'est ta volonté, éloigne cette coupe de moi. Et s'il vous plaît, il connaît la volonté de Dieu. Hein? Oui ou non? Il sait que c'est son heure. Il sait qu'il est appelé à ça. Mais il est en train de prier maintenant. Il est en train de lutter. Frère, la volonté de Dieu est un combat. Il la connaît. Il sait que c'est pour cette heure qu'il est venu. Il le sait. Mais il est en train de combattre la volonté de Dieu. Tu sais pourquoi? Les puissants.
puissance de, dans le jardin de Gethsemane, entre l'angoisse, entre la tristesse, entre la peur, Mais je suis né pour ça. Mais il a du mal à imaginer que je vais traverser, moi, le divin, 100% homme, 100% Dieu. Je vais devoir traverser ça. Mais je ne pourrais pas souffrir. Il le savait. Il avait déjà vu ça. Mais maintenant, il doit le vivre. C'est un combat. Donc, connaître, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir la force, la puissance pour l'accomplir. Ce n'est pas simple. Jésus savait et il a commencé à lutter contre la volonté de Dieu. Pour la première fois, le Fils de Dieu combat la volonté de Dieu. Oh, pasteur, comment ça? Oui, à cause des puissances qui s'opposaient à lui. Une heure de prière. Le gars, il finit la prière. Il repart. Il dit, Pierre, au moins une heure, on ne sait pas combien de temps il a prié. C'était un homme de prière. Il ne comptait pas sur les prières du pasteur. Là, il dit, c'est une affaire, assez, c'est assez. C'est une affaire entre Dieu et moi-même. Le pasteur peut t'aider, mais le pasteur ne peut pas tout faire. Il y a des choses que toi-même, tu vas devoir apprendre à faire. Ah, mon frère dit, amen. Il y a des combats pour ta propre, pour ta destinée. Le pasteur ne peut rien faire. C'est Dieu qui va t'aider. C'est Dieu qui va être ton soutien. C'est Dieu qui va te porter. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Une fois, il se retire, il prie, il revient. Il repart deux fois, encore au moins une heure, et il revient. Troisième fois, et la Bible dit qu'il ne fait que répéter les mêmes choses. Dans le combat de la volonté de Dieu, frère, on répète parfois les mêmes choses. Fais-moi grâce, fais-moi grâce. Et Rabba, Sheketa, et Bradada, et Koto, et Bara, et Dababa. Fais-moi grâce. Dans Luc chapitre 22, il nous révèle le verset 44. La Bible dit que Jésus était dans l'angoisse du combat. Il combattait. C'est dur d'accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas simple, hein, frère. Voilà pourquoi la plupart sont disqualifiés. Il est écrit dans l'angoisse du combat. Dans l'angoisse du combat. Il prie encore avec plus d'instance. Plus d'insistance. Plus d'insistance. Plus d'insistance. Jésus de Nazareth, sauveur du monde, en train de transpirer dans l'ardeur du combat. Et la Bible dit, pendant qu'il crie à Dieu, dans l'ardeur du combat, il commençait à transpirer. Et sa transpiration, sa sueur, devient comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Ah, c'est fait, c'est fait. Le sang vient de être versé dans le jardin de Gethsémané. Le sang de la transpiration. Et ça tombe par terre. Ah, Satan dit, qu'est-ce que se passe-t-il? Le Père dit, ça y est. Continue, tu n'es qu'à la première étape de la conquête pour rendre les hommes capables d'accomplir le plan parfait de Dieu. C'est la première conquête. Après celle-là, il y en a d'autres. Mais s'il rate celle-là, il ne pourra pas aller plus loin. Il ne pourra pas aller dans le prétoire. Il ne pourra pas aller à Golgotha. La première étape, c'est remporter celle du combat de la volonté de Dieu. Il a triomphé. Et juste pour terminer, Hébreux 5, verset 7 nous révèle ce qui s'est passé ce jour-là. Hébreux 7, verset 5. Vous savez, il est écrit, c'est lui, Jésus le Christ, dans les jours de sa chair, hein, les jours de sa chair, hein, c'est lui qui a présenté à Dieu, il a présenté à Dieu, des prières, hein, et des supplications. Mais il a présenté comment? Avec de grands cris. Ah! Ah! Ah, Père! Avarak, Jaja! Akataka! Et avec des larmes, la volonté de Dieu, c'est un combat, frère, c'est un combat. C'est un combat violent contre les puissances des ténèbres qui veulent te ramener hors du chemin de Dieu. Non! Il te donne les détails. Il a prié avec des cris, avec des larmes. Il a prié quoi? Des prières, mais c'est pas tout. Et des supplications. Est-ce que tu connais la puissance de la supplication? Il dit, il a été exaucé. Il n'a pas prié seulement, hein. Il y a des moments où les prières ne suffisent pas. Il faut engager la puissance de la supplication. Et kakata, et bratata. Quand on commence à supplier, on sait à quelle heure on commence. Tu ne peux pas dire quand tu vas arrêter, quelle heure, quelle semaine, quel jour. Tu ne peux pas dire. Parce que la supplication, tu l'arrêtes quand le fardeau est parti, quand le fardeau est enlevé. La puissance de la prière. Il y a un mystère dans la prière, il y a un mystère dans la supplication. Église, veux-tu accomplir la volonté de Dieu? Veux-tu conquérir cette sphère? Parce que tu dois la conquérir. Jésus est mort pour ça. C'est la première étape de tout combat. La volonté de Dieu. Il dit, il faut prier.
Et je vous dis, quand le vent de la supplication vient, et babarara, mon frère, toi-même, tu vas te surprendre à pleurer. Toi, tu es toujours là. Tes yeux sont tellement secs. Ta bouche, c'est Seigneur. Il y a des moments où ça ne passe plus, où l'Esprit de Dieu te saisit. Je dois te faire enfanter ce que j'ai préparé pour toi avant la fondation du monde. Nous sommes en avril. Ma fille, mon fils, tiens-toi dans ma présence. Tu dis Holy Ghost, Esprit de Dieu. Il dit Kakorade, Shekata, Apapare, Akakato, Ekataka. Tu vas te sentir, tu vas te retrouver à pousser des pleurs. Père, aide-moi. C'est ça les supplications, c'est ça. Il faut accoucher. Une femme qui accouche n'est pas pour dire je vais accoucher. Non, dit, ah, elle se concentre. Je dois accoucher ce que Dieu m'a appelé à avoir, à devenir, à être. Aïe, 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 aïe. Ah. C'est le combat de la volonté de Dieu. Conquérir la volonté de Dieu, mon frère, c'est un combat. Et un combat intense. Voilà pourquoi il dit, il y a un type de gens qu'on appelle Epaphras. Colossiens 4, verset 12. Ces gens-là, Epaphras, il dit Epaphras, serviteur de Jésus-Christ. Oh, l'ami de Paul, le compagnon de Paul, voilà un gars de l'esprit. Il comprenait les réalités spirituelles. Il savait que la volonté de Dieu, ce n'est pas les discours, ce n'est pas les bonnes intentions, mais c'est la guerre. C'est le combat de la prière. Dis avec moi, le combat dans la prière. C'est un combat dans la prière. Il dit, il combat avec ferveur. Il combat. Est-ce que toi, tu combats? Est-ce que toi, tu combats dans la prière? Prière et supplication. Prière et supplication. Père, je te prie. Je sais où je suis aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, là où on est aujourd'hui, tu n'as aucune garantie que demain, tu seras encore dans le Seigneur. Tu n'as aucune garantie. Jésus a dit à Pierre, toi, tu vas me renier. Pierre a dit, jamais. Je t'aime trop. Pierre ne connaissait pas certaines dispositions à son sujet. Qu'il a découvert le jour où il s'est retrouvé devant une vieille maman en train de trembler. Je ne le connais pas, je ne le connais pas. Pierre dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Il veut attaquer les projets que Dieu a pour toi. Mais Pierre, ne t'inquiète pas. J'ai cacaré, j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille pas. Afin que ta foi ne soit pas détruite. Afin que malgré l'attaque, Pierre, que tu vas voir, que tu accomplisses la volonté de Dieu. Que tu mènes le combat et que tu remportes le combat de la volonté de Dieu. C'est le plus grand des combats. Je peux être guéri, mais passer à côté de ce que Dieu avait préparé pour moi. Pasteur Mohamed, attaquez-le. Mais ce gars-là, il est dans le couloir de la volonté de Dieu. Vous pouvez parler mal contre Yves Castanou. Je m'en fous. J'ai découvert le combat de la volonté de Dieu pour ma vie. Tout ce que je fais aujourd'hui, entendre le domaine politique, le domaine des affaires, le domaine de la... C'est pas moi. J'ai voulu abandonner pour me consacrer au ministère. Dieu m'a dit, non, je t'appelle dans le couloir. Tu es dans le couloir de ma volonté. Reste là où tu es. Je t'établis là, dans l'église et dans le monde séculier. C'est ta place. Il dit, mais je ne peux pas. Il dit, c'est moi qui donne la capacité. Tiens-toi dans ma présence. Il m'a expliqué comment on fait. Partout, je passe au Congo, on dit, Castano, tout ce qu'il trouve, tout ce qu'il touche devient de l'or. Il dit, mais comment vous faites? J'ai dit, Kokoraka, Emane, Ebro, Chaka, Epareta, Ekaka, Lombrada, Iaka. C'est pas la motivation, c'est pas le développement personnel, c'est pas le coaching, c'est la présence de Dieu, c'est la vie de l'esprit, c'est la compréhension du mystère de la prière et de la supplication. Jésus nous a montré, si Jésus qui connaît parfaitement la volonté du Père a dû offrir à Dieu avec des larmes et des cris, des prières et des supplications. Ah, il est exaucé. Toi, tu seras exaucé aussi. Toi, tu seras exaucé aussi. C'est un combat, mais tu seras vainqueur. Oh, c'est un combat, tu seras vainqueur. On n'est pas vainqueur en chantant « Je suis plus que vainqueur ». Foutaise, laissez-moi ça, c'est du cinéma. On est vainqueur quand on fait comme Jésus. On s'isole et qu'on engage. Ah, et Kabara, il reste 10 minutes. Baisse ta tête là où tu es, mon frère. Et prends quelques instants. Pendant cette, il y a une grâce qui est là. Et Babarou, Yaka, Abarou, Chaka. Demande à Dieu de tout ton cœur, tu dis « Père, j'entends cette parole à cause du sang de Jésus-Christ qui a été versé pour moi. » Non, 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 non. Si tu ne connais pas encore pleinement
la volonté de Dieu pour toi. Élève ta voix, dis à Dieu, mon Dieu, fais-moi grâce. Je veux découvrir. Ouvre mes yeux now, ouvre mes yeux maintenant. Si tu es déjà dans le chemin, dis Seigneur, je ne connais pas les épreuves qui viennent, les tempêtes qui viennent, les combats qui viennent. Mais fais-moi grâce aujourd'hui. Fortifie-moi aujourd'hui. Rends-moi capable aujourd'hui. Je prie, Père, caro déga, dans le nom de Jésus. Ah! Quelqu'un lève la voix pour dire à Dieu, Père, je te prie. Jésus a versé son sang dans le jardin de Gethsémané pour me rendre capable, moi aussi, à mon tour, d'accomplir ce que tu m'appelais. Pourquoi m'as-tu appelé? Est-ce que ton sang a été versé pour moi? Parle à Jésus. Parle à Jésus. Oh, lève ta voix. Dis-lui Jésus. Jésus Seigneur, est-ce que tu m'as créé pour être un échec? Est-ce que tu m'as créé pour échouer? Est-ce que tu m'as créé pour rien? Non, ton sang a été versé pour moi. À cause de ton sang versé pour moi, Seigneur Jésus-Christ, je te demande, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi découvrir le pourquoi. Le pourquoi. Pourquoi je veux conquérir la sphère de ta volonté. Je ne veux pas vivre comme tout le monde. Je veux vivre ce que tu as préparé pour moi. Tu as dit à David que tu cherchais quelqu'un pour accomplir toutes tes volontés. Me voici, me voici, me voici. Ababarade, okoradiak, chandebara, epreteke, orodokokosa, akakakakata, omakatara. Dans le nom de Jésus, me voici. Ce soir, me voici. J'ai 10 minutes, me voici. Mon frère, élève ta voix. Ma soeur, élève ta voix. Est-ce que tu es en train de parler à ton Dieu? Parle à ton Dieu. C'est une affaire personnelle. Il veut rafraîchir. Il veut restaurer ta vie de prière. Ta vie de prière. Aïe, 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 aïe. Je te prie, restaure. Restaure la vie de prière. Restaure la vie de prière. Restaure la vie de prière. Tout commence par la vie de prière. Tout commence par la vie de prière. Père, dans le nom de Jésus, évare, écara, éleva, élève ta voix, mon frère. Demande à Dieu de restaurer la vie de prière. Ça commence par là, ça commence par là. La vie de prière des conquérants. La vie de prière des conquérants. Personne ne peut conquérir sans une vie de prière. Personne ne peut conquérir sans la vie de prière. Est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Demande à Dieu, il est là. Le Père t'entend, Jésus t'entend. L'Esprit de Dieu est là. Il veut ranimer. Il est écrit que le feu continuera, doit constamment brûler. Le feu continuera, va continuellement brûler sur l'autel. Le feu de sur l'autel. Le feu de la prière. 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 Fire, 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 fire. Le feu de la prière. Brûle mon esprit. Brûle, enflamme-moi. Embrasse-moi. Ababare, ekata. Orokobo shakatakata. Ebrakata. Ekakata. Aïe 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 aïe. Embrasse l'église. Ababare. Chokoboronata. Ebradadakaba. Ebrakako. Ebreketekete. Ebrakatakata. Seigneur, tu as dit que le feu brûlera continuellement sur l'autel. Ebare la daba baba baba. Élève ta voix. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Il faut que ta vie de prière. Il faut que ta vie de prière. Il faut que ta vie de prière. Ta vie de prière. Rotokokokosha. Ebreketeke. Ayababara. Ebrade. Oshaka. Eshaka. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Je veux conquérir. Je veux conquérir. Conquérir la volonté de Dieu. La localiser. La localiser. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire individuelle. C'est une affaire individuelle, mon frère. Élève ta voix. Babare. Ababara, parle à ton Dieu. Prends la position que tu veux. Ebreko shakata. Ebrako sheketekete. Ababare. Chakamare dada baba, radada baba, okokabade, abradede, parle en esprit, et kabare, shebarade, shikabaro, ebrekoko, shaka, ekaka, ebara, edede, okoko, rakaka, ibara, edereba, shikabarade, ikabare de bobo, shekete. Il a dit ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma soeur. Et bradé déco, et chèque, iparadada. Demande à Dieu le feu dans ta vie de prière, le feu dans ta vie de prière, le feu dans ta vie de prière. Demande à Dieu le feu dans ta vie de prière, le feu, le feu, le feu, le feu. Embrasse-moi, embrasse-moi. Réveille mon esprit, ranime mon esprit, embrasse mon esprit. Aïe, 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 aïe.
à cause du sang de Jésus qui a été versé pour moi, Père. Je ne veux pas vivre la vie d'échec. Non, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Accorde-moi la grâce d'accomplir, oh Dieu. Oh, 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 j'ai quitté, quitté. Élève ta voix, ne t'inquiète pas, ne t'arrête pas. Parle à ton Dieu, demande à Dieu de te réveiller. Réveille, 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 réveille la vie de prière. Réveille la vie de prière. Abaré, Jajaka, Jésus a prié, il a prié, il a pleuré. Oh Dieu, fais-moi grâce, fais-moi grâce à cause du sang de Jésus. Seigneur Jésus, fils de David, réveille-moi, 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 ranime-moi, ranime le feu de la prière. L'obrata kakata, ébré, bébé, 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 ababababé, le feu de la prière. Réveille-moi, 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 prie mon frère, prie ma soeur, prie pour ton destin, prie pour ta destinée, prie pour tes enfants, prie pour toi-même, prie, élève ta voix, et parle à ton papa, parle à ton Dieu, et kakarade, obro, shekata, aïe, 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 ah, père, ah, radada, papa, oh, retébé, éparé, Josia, Josia, ébradia, ébrodia, Abaro Sheleva, Ekaba, Ebarade, O Prozedeva, Abape, E Protoko Shekete. Ah, ne te tais pas, encore deux minutes, encore deux minutes, élève ta voix, élève ta voix. Est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Il a dit demander, demander, demander. Demande le feu, demande le feu, demande le feu, dans ta vie de prière, demande le feu, 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 le feu. Ah, papa, la barade, à coco, coco, chaka. Maré, à babaré, doché, prévu. Alors mon frère, pousse ma soeur, pousse, pousse encore. Ce n'est pas le temps de te taire, c'est le temps de prier, c'est le temps de prier, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Marie, réveille ta vie de prière, réveille ta vie de prière. Il n'y a pas de volonté de Dieu sans la porte de la prière, sans la porte de la prière. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Ababaré, chacun, ababaré, bobo, et que, à cause du sang de Jésus. Restaure, 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 restaure la vie de prière. Père, restaure la vie de prière de ceux qui sont tombés en défaillance. Ranime le feu, ranime le feu. Dans le nom de Jésus. La cabaro de keba chakatakata. Ebaro do koche keteke teke. Ebro do koshakatakata. Ababara de bobo shakata. Aïe, 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 aïe. Et babaro de bobo, chaque barade de babarade, à babarade de, pour accomplir la volonté de Dieu, pour conquérir la volonté de Dieu. J'ai besoin d'être en feu, j'ai besoin d'être ranimé, besoin d'être en feu, ma vie spirituelle d'être en feu, ma vie de prière d'être en feu, ma vie de prière d'être en feu. Il faut que ma vie de prière, son avis de prière, il n'y a pas de conquête, il n'y a pas de conquête. Père, dans le nom de Jésus. J'ai qu'à parler et les bavaroses et les chrétiens.